Ravi de vous retrouver ce matin. Nous allons tout de suite vous donner un aperçu du contenu de notre magazine Bonjour d'Algérie pour cette matinée où nous parlerons de sport, d'art et aussi de santé. Pour ce qui relève du volet santé, nous parlerons du don de sang à travers la présence parmi nous du chargé de la communication de l'agence qui veille au grain par rapport à l'organisation des différentes opérations de don de sang. Donc toute une campagne sera lancée à l'occasion justement de la journée internationale du don de sang par notamment l'agence par le ministère de la Santé, appuyé par les efforts des uns et des autres, entre autres l'agence l'agence nationale du sang, dont un représentant sera parmi nous. Il s'agit de monsieur Sofiane Kerry, chargé de la communication ou directeur de la communication pour cette institution. Donc tous les détails de cette campagne seront révélés avec lui tout à l'heure. Tout début, je disais qu'on avait aussi un soupçon d'art dans cette émission, puisque nous recevrons une jeune artiste, une artiste en herbe, qui met en relief le patrimoine, celui de Kabylie, pour laquelle elle a une affection particulière. C'est une excellente portraitiste qui exposera prochainement, plutôt qui expose actuellement depuis le 10 du mois de juin, à la galerie Angart. C'est au niveau du centre commercial de Cheraga. Il s'agit de Yamina Nouine, donc, qui sera parmi nous ce matin. Aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de parler de sport à travers un club sportif dont le président sera parmi nous. Il s'agit du club de sport de glisse. Voilà, je cherchais un petit peu le terme sport et j'ai fini par le trouver. Le sport de glisse à l'honneur ce matin dans notre édition. C'est pour un petit peu vous donner quelques informations concernant cette saison estivale qui s'annonce belle et agréable, Inch'Allah, avec la participation de toutes ces associations, tous ces clubs qui offrent de l'activité ludique, de l'activité sportive en plage et en bord de mer, mais pas que. Ce sera aussi du côté des forêts. On aura le détail, en tout cas, de toutes ces belles activités, de ces disciplines déployées par le club de sport de glisse, donc de Ain Taya, avec Mohamed Bejaoui ce matin. Dans cette édition, nous retrouverons aussi, bien sûr, Siham Kennouch, qui nous parlera cette fois-ci des contes d'autrefois. Et dans sa séquence, vous aurez une très belle surprise, une talentueuse animatrice de 8 ans d'âge. Et oui, nous aurons le plaisir de recevoir Zahra Rizqallah, qui est animatrice radio, musicienne, elle a plusieurs talents donc cachés qu'on révélera aujourd'hui dans Bonjour d'Algérie. Nous aurons aussi le plaisir de parler d'hygiène bucco-dentaire dans un autre volet santé avec le dentiste Bouderbel, qui viendra, le chirurgien dentiste et aussi président de l'Ordre national des médecins dentistes, qui viendra nous parler de l'hygiène bucco-dentaire et de son importance et son impact sur la santé de l'individu. Voilà qui est dit par rapport à l'essentiel de ce qui sera développé ce matin dans notre magazine. J'espère que vous apprécierez ces thématiques. En tout cas, on est ravis d'être avec vous et de vous accompagner jusqu'à 9h30 en commençant par un point météo qui est signé Amal Haribi ce matin. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معًا نصنع المستقبل. Voilà, donc la météo d'Amel Haribi tout de suite. Amel Haribi qui a toujours le mot pour rire et aussi la phrase et la citation qui va avec chaque mot qu'on prononce. Ouais. Bonjour Amel. Bonjour Nadia, ça va? Oui, ça va. En tout cas, vous avez une très belle culture musicale. C'est très, très distrayant quand on est en dehors de la caméra. Oui, en dehors de la caméra. Voilà. Un jour, vous vous révélerez au public autrement, je suis sûre. On ne sait pas, on verra, qui sait, on va voir. Qui sait, voilà, bah, une petite chaîne YouTube comme ça où vous nous parlerez loin de là, non. De vos amours musicaux. Oui, peut-être. En tout cas, avant justement d'avoir une pause musicale, on va avoir les nouvelles du ciel avec les vous, Amel. Les prévisions, oui. Merci, exactement. Merci de nous donner le détail, s'il vous plaît. Merci, Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura des passages nuageux d'ouest en
est, avec des nuages qui vont donner quelques pluies orageuses, mais plus sur les hauts plateaux, ouest, centre, également est, accompagné de grêle, cette fois-ci sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures et hauts plateaux. Et cette grêle peut déborder, mais en soirée, sur les côtes centre et centre-est, avec des pluies aussi localement assez marquées durant la nuit sur les côtes centre. La moitié sud connaîtra un ciel partiellement voilé, avec des foyers orageux, l'extrême sud, le Gard, le Tassili, pouvant engendrer quelques pluies durant la journée. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil sera bel et bien présent et à noter quelques particules de sable en suspension l'après-midi sur le plateau de l'ouest, le centre et des semences de sable vers Tindouf, la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, eh bien, le temps restera très chaud aujourd'hui, au nord comme au sud. Eh bien, on va commencer par le nord, le 35 degrés le maximum du côté de Rolizane, Mascara, Chlef et Tizi Ouzou. 32 Tlemcen, Al Bayad, Djelfa, 31 Constantine et Batna. 30 à Oran, 27 à Alger, Naba. Au sud, 37 degrés Tindouf, Biskra. 40 degrés Béchar, Gardayat, 43 à Ilizi. Également Janet, In Gazin, 44 à Adrar. 45 à Il Salah et 46 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Bedjoumourta. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes centre et est, mais peu agitée sur les côtes ouest avec des vents faibles et qui varient entre 10 et 20 km/h sur toutes les côtes algériennes. Par contre, elles seront de secteur sud-ouest sur les côtes ouest. Et on termine subit avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 20h06. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معًا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. Merci. Toujours aussi généreuse avec toutes ces bonnes nouvelles parfois. Pas toujours très bonnes des fois, donc ça dépend. Non, quand il y a de la pluie, ça va, hein, c'est de la bonne nouvelle pour moi. Hein. Je n'ai pas du tout l'impression d'être au mois de juin en tout cas. Mais l'été peine à s'installer. Exactement. Mm-hmm. Mais on va attendre peut-être la mi-juin et on va voir. Il y aura un petit. Une petite stabilité. C'est sûr que, probablement que juillet et août vont être très chauds. Ça promet. En général, c'est le cas. Ça promet, oui. En tout cas, voilà, on parlera d'été, on parlera d'activités estivales aujourd'hui dans notre édition avec justement ce club qui pratique les sports de glisse et qui plutôt offre des formations et aussi des activités liées aux sports de glisse. Mais avant, nous allons parler de santé. Est-ce qu'il vous est arrivé de donner de votre sang ? Non. Pas encore, non. Mais ça a effleuré au moins une fois votre esprit. Hein. Oui, mais j'ai peur de tomber dans les pommes. Donc, ah bon, hein? Oui. Non, je sais pas, on a beaucoup de sang dans le corps. On en a beaucoup. Allez-y dire ça à mon cerveau. Et ce sont des médecins qui pratiquent, en fait, des praticiens de la santé, en tout cas, qui veillent à ce que tout se fasse dans de bonnes conditions. Donc, voilà. En fait, c'est ce qui empêche peut-être les uns et les autres d'agir. On va essayer de les convaincre ce matin. Sensibiliser, oui. Voilà, on va essayer de vous convaincre de vraiment d'offrir un peu de votre sang pour sauver des vies ce matin. Ce sera par la présence, justement, du représentant de l'Agence nationale du sang. Et non pas du don de sang. Voilà, on a tendance à confondre. En tout cas, dans un petit moment, il sera parmi nous le temps d'une chanson. Et oui, une chanson interprétée en duo par Mok Saïb et Shamsou Free Klein qui nous chante l'amour, mi amor.
L'été et ses plaisirs, il en sera question en fin d'émission aujourd'hui dans Bonjour d'Algérie. Mais avant, nous allons parler de santé parce que pour passer un bel été, il faut d'abord être en bonne santé. Mais aujourd'hui, nous mettons en relief surtout les efforts de tous ces volontaires, ces donneurs de sang volontaires qui sont mis en avant tous les 14 juin de chaque année. Donc c'est sur instruction de l'Organisation mondiale de la santé que cette journée permet aussi un effort de sensibilisation et de coordination entre les praticiens de la santé où qu'ils soient. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Algérie dans cet effort planétaire. L'Algérie, qu'en est-il? C'est ce qu'on verra avec notre invité ce matin. Il s'agit du docteur, pardon, on a un petit chat dans la gorge, Sofiane Kelly, bienvenue. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs et merci pour cette invitation. Voilà, vous êtes le directeur de la communication de l'Agence nationale du don du sang. Du tout sang, fait, voilà, du j'ai sang. Enlevé le don, hein, je vous ai écouté voilà. Hein, hier. Donc voilà, c'est une agence qui permet d'organiser aussi, je ne sais pas, vous allez me parler un peu mieux de ses prérogatives. Ben, l'Agence nationale du sang, qui a été créée en 1995 et par un décret exécutif, a pour cœur de métier le sang et tout ce qui gravite autour du sang, notamment le don de sang. Elle propose une politique du sang et œuvre à son suivi. Elle fait la promotion du don de sang, tout ce qui gravite autour du sang. Les textes réglementaires, le suivi, l'accompagnement des structures de transfusion sanguine en matière de transfusion. Et donc, c'est un acteur principal dans le système de santé et l'opérateur exclusif en matière du sang en Algérie, hormis bien sûr les structures relevant du ministère de la Défense nationale. Donc, elle gravite autour des structures de transfusion qui sont plus au nombre de plus de 245 structures réparties à travers le territoire national. Très bien, donc on est le 14 juin dans deux jours, on est à J-2 de cette journée qui va permettre justement de récompenser ou d'encourager les donneurs de sang volontaires, puisque la journée, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Bon, mais avant de parler de cet aspect, on va parler d'abord de l'impact de ce geste salvateur. Donc, qu'est-ce que permet justement le don de sang finalement, j'imagine? Ben, c'est de sauver la vie, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce sang, c'est un médicament qui n'a pas de substitut. Il n'y a aucun produit, aucun autre médicament qui peut le remplacer, malgré les avancées technologiques et de la médecine, mais on reste toujours tributaire de la générosité des donneurs de sang pour avoir ce liquide précieux et le donner à plusieurs catégories de malades qui, leur vie, est rattachée justement à cette goutte de sang. On peut citer les maladies du sang telles que les bêta-thalassémiques et les drépanocytaires par exemple, qui vont naître avec une malformation au niveau de leur hémoglobine congénitale et qui vont nécessiter dès leur jeune âge, c'est-à-dire dès leur naissance, une transfusion sanguine, une poche de sang, et ceci chaque 15 jours, chaque 3 semaines, toute leur vie. Donc, il y a aussi les hospitalisés, c'est-à-dire les gestes chirurgicaux qui nécessitent aussi. Tout ce qui est bloc opératoire nécessite dans la réserve du sang, tout ce qui est accouchement. Donc nous avons presque 800 000, 1 million de naissances par an. Donc c'est potentiellement des personnes qui nécessitent une transfusion sanguine. Les malades cancéreux, la chimiothérapie détruit les cellules sanguines, notamment les plaquettes. Donc ça va nécessiter par la suite une transfusion en plaquettes. Donc vous avez tout ce beau, catégorie de malades qui sont là. Et les accidents de la voie publique, etc. Donc les blessés, toute personne qui saigne, donc vont nécessiter ce geste et qui leur permettra ça de leur sauver la vie, tout simplement. C'est une question parfois de quelques secondes. Quand vous avez un cas urgent, une hémorragie importante, ben, ça va se jouer à quelques secondes. Absolument, c'est nécessaire, il faut aller vite, d'où la nécessité d'avoir des banques de sang, comme on dit, dans les hôpitaux. Est-ce que l'agence contribue à la gestion, à la diffusion de cette banque de sang? Ben oui, l'agence, par son rôle, déjà, elle accompagne toutes les structures de transfusion sanguine, notamment en matière de législation, en matière de bonnes pratiques transfusionnelles,
en matière de procédures pour avoir des bonnes pratiques, de procédures normalisées justement en l'activité sanguine, par la promotion du don de sang, par l'organisation de collecte avec nos différents partenaires et notamment les médias qui contribuent avec nous à transmettre justement cette sensibilisation et par le suivi, l'évaluation. Donc nous accompagnons toutes les structures justement dans la finalité, nous avons le même but, c'est de pour mieux servir les malades et pour offrir sauver un maximum de vies. J'imagine justement. En tout cas le slogan qui vient de passer avec un grand cœur comme ça qui dit chacun de vous pourrait être un héros. C'est bien le cas, parce que souvent, ça s'est joué comme ça. C'est les héros des temps modernes, les donneurs de sang, ils sont là dans l'anonymat, comme un héros, il est anonyme. Ils sont dans l'anonymat, ils viennent sauver autrui sans rien attendre en retour, sans profit et d'une manière discrète. Et donc, ce geste salvateur, justement, docteur Kelly, nous permet d'éviter cette situation d'urgence. Par exemple, des personnes dont le rhésus, ou je ne sais pas comment vous dites, c'est ça. Est assez rare, nécessiteront peut-être un jour une grande dose de sang qu'ils Tout ne trouveront pas toujours dans les banques. D'où Tout la nécessité de faire du don de sang. Dans l'urgence, mais en permanence, pour avoir toujours une disponibilité. D'ailleurs, le slogan qui a été retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé, à la fin, il dit « donnons souvent, sans plasma, partageant la vie, donnons souvent ». Donc, donnons souvent, c'est dans cette régularité du don. Nous savons que pour les hommes, on peut donner jusqu'à 5 fois. Pour un homme, il peut donner jusqu'à 4 à 5 fois par an. Et pour une femme, elle peut donner 3 fois par an. Donc, n'hésitez pas pour donner souvent, parce que justement, comme vous le dites, nous allons pas attendre quand on a une personne qui est programmée. On peut attendre, on peut lui demander de ramener des donneurs, c'est pas un problème, c'est programmé, on gère. Mais quand vous avez une urgence, une urgence, on n'a pas le temps d'attendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être tous des donneurs, il suffit d'être âgé, avoir l'âge légal, avoir une bonne condition de santé, et on peut être donneur. Mais la problématique, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut changer de statut et se retrouver de l'autre côté de la barrière. Absolument. Devenir nous-mêmes malades. Devenir malade ou quelqu'un de notre entourage qui a besoin de sang. Et là, on va voir la problématique, parce que parfois, quand les parents se présentent au niveau de la structure de transfusion, enfin, demandent le sang, la structure leur dit que non, nous n'avons pas ce groupage. Ils sont étonnés, parfois énervés. On leur pose la question, est-ce que vous avez déjà fait un don ? La plupart vont répondre non. Voilà. Et ben, si personne de nous ne se mobilise comment on va avoir du sang en banque ? Exactement. Parce que les gens pensent que c'est peut-être que quelque chose que... Ça vient du ciel. du ciel, et... c'est une plante. Alors que non, nous sommes tributaires de cette générosité et nous sommes tous concernés par le sang, parce qu'à n'importe quel moment, notre vie peut basculer et on peut être dans une situation inverse où nous avons nous-mêmes besoin de ce produit qui n'a pas d'équivalent. C'est précieux, comme vous dites. C'est vrai que même dans notre religion, les préceptes de l'islam encouragent justement l'aide de l'autre, d'autrui. Et celui qui sauve une vie sauve toute l'humanité. Toute l'humanité. Et puis voilà, c'est une sadaqa jariya. Sadaqa jariya. C'est aider quelqu'un en donnant de son sang. Oui, c'est un acte de générosité par excellence et de solidarité par excellence. Et c'est une greffe toute simple, Fait. Au lieu de donner un organe, on donne un petit tissu, c'est le sang, vers autrui. Les bienfaits, on parle beaucoup des malades qui en ont besoin, mais les bienfaits sont d'abord pour le donneur lui-même, parce qu'il va bénéficier déjà d'un contrôle médical, il va bénéficier d'analyses, il va permettre de régénérer ses cellules, il va réduire les maladies du sang, parce que les études prouvent que les donneurs de sang réguliers ont moins de problèmes de cancer du sang, ont moins de problèmes de les accidents, les AVC, ils ont moins de problèmes du système, c'est-à-dire le foie, parce qu'on diminue un peu le taux de fer au niveau de l'organisme. Donc les bienfaits sont d'abord pour le donneur lui-même. Voilà. Vous avez cité les donneurs et c'est vrai que vous leur rendez hommage cette semaine à travers cette célébration de la Journée mondiale des donneurs de sang. Donc le 13 et 14, vous organisez
encore un événement qui fait partie de toute une campagne nationale. Donc à Alger, comment se dérouleront les choses? J'allais dire Alger, capitale de la transfusion sanguine. Absolument. Cette année, et capitale des donneurs de sang. Donc c'est vrai que le 14 juin, l'Algérie abrite, et pour la première fois de son histoire, abrite la célébration de la journée mondiale des donneurs de sang sous le patronage de Monsieur le ministre de la Santé, et que l'Organisation mondiale de la Santé a choisi l'Algérie pour qu'elle abrite, justement, en vue des efforts fournis d'abord par les donneurs de sang. C'est eux les véritables acteurs de cette journée, parce qu'ils ont, par leur mobilisation permanente durant toutes ces années, ça a permis d'avoir une reconnaissance mondiale en matière de transfusion sanguine, et aussi par rapport à tout ce que les pouvoirs publics investissent en termes de transfusion sanguine, en termes de dons de sang. Et donc, en reconnaissance à tous ces efforts, l'Organisation mondiale a choisi l'Algérie avec fierté, que nous allons abriter cette journée mondiale où nous serons un peu la Mecque de la transfusion et les donneurs de sang les 13 et le 14. Et bien sûr, dans le principal objectif, c'est de rendre un vibrant hommage à ces héros, à ces donneurs de sang qui permettent d'améliorer la santé de beaucoup, beaucoup de malades, voire même de leur sauver la vie. Très bien. Les enfants sont en vacances. Ils pourront aussi bénéficier de tous ces ateliers qui sont mis à leur disposition lors de cet événement qui se déroule à la salle de conférence de la Wilaya d'Alger, en fait, le 13 et le 14. N'est-ce pas? Un petit mot de fin, si vous le permettez? Oui, vous avez parlé des enfants. Ils seront présents avec nous, justement, pour inculquer cette culture du don de sang dès le jeune âge. Et enfin, bien sûr, on rend un vibrant hommage à tous les donneurs de sang, mais nous lançons aussi un appel pour toutes les personnes qui sont âgées entre 18 et 65 ans et qui sont en bonne santé, de ne pas hésiter par cet acte de générosité, cet acte noble envers autrui pour sauver des vies. Absolument. Donc des communications des plus intéressantes seront aussi consenties lors de cette célébration. Échange, bien sûr. Donc il y aura un échange entre des experts algériens et des experts internationaux. Donc ceux qui seraient dans le domaine pourraient peut-être en bénéficier. Donc voilà qui est dit. Ce sera à la salle de conférence de la Wilaya d'Alger. Et si on va sur le site de l'agence, on peut aussi avoir le détail. Tout à fait. www.ns.dz. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Dr Sofiane Khalid, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce geste salvateur, de cette opération qui peut être anodine, mais qui peut sauver énormément de vies. En tout cas, merci infiniment pour cette présence. Pour cette invitation. Et puis, bravo à toutes les équipes qui participent à cette campagne. En tout cas, j'espère qu'ils seront nombreux à contribuer à l'enrichissement de notre banque de sang. Donc, merci d'être avec nous. On continue de parler de santé dans un instant. Après juste une petite transition, nous retrouverons un chirurgien dentiste qui va nous parler d'hygiène bucco-dentaire ce matin. Restez avec nous.
Voilà, après cette petite virée au cœur d'Alger, nous allons souhaiter la bienvenue à notre second invité qui est bien installé, monsieur Mohamed Ali Boudelbel. Donc bienvenue. Bonjour, donc je vous remercie de m'avoir invité déjà. On est ravis. Hein, c'est une émission très chaleureuse. Voilà. On va d'ailleurs rentabiliser votre présence, ne vous en faites pas. Hein. Vous qui êtes chirurgien dentiste et également donc, président du conseil de l'ordre des dentistes d'Alger. Donc on est ravis d'avoir votre regard sur la santé de l'individu concernant surtout cette zone buccale. Donc l'hygiène bucco-dentaire, c'est très important. En quoi est-elle aussi importante? D'abord, je vais commencer par une citation de mémoire, celle de Victor Hugo, « Le scepticisme est la carie de l'intelligence ». Bon, là, je vais parler de la carie dentaire. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour un peu détendre un peu l'atmosphère. Oui, d'accord. Voilà. Écoutez, la carie de l'intelligence, hein, ça, c'est pas bon non plus. Oui, oui. Donc, il faut expliquer à nos chers auditeurs, etc. Vous savez que la carie dentaire, il faut comprendre d'abord c'est quoi la carie dentaire par définition, c'est quoi la dent par définition. Il faut savoir que la dent, c'est déjà un organe vivant qui est innervé et irrigué. Tout à fait. C'est pour ça que quand on a une carie dentaire, on a mal, donc on va courir chez le dentiste pour pouvoir juguler cette douleur. Bon, il faut comprendre comment elle vient, cette carie dentaire. Mm-hmm. Vous savez que les sucres, donc les bactéries vont se nourrir de ces sucres, vont donner de l'acidité, vont créer de l'acidité, et cette acidité va créer ce qu'on appelle la carie dentaire. Et après, il y a différents degrés de carie dentaire. Au début, il n'y a pas de douleur. Bon, il y a la carie, ensuite ça évolue vers une douleur un peu... donc elle est présente cette douleur, donc c'est une pulpite, donc c'est la rage de dents, communément. Plus c'est profond et plus on se rapproche du nerf. Du nerf, voilà, le canal dentaire. Mm-hmm. Et là, vous savez, quand on passe une nuit blanche, donc on pense tout de suite à aller chez le dentiste, malgré vous prenez un anti-inflammatoire ou du doliprane, bon, ça diminue, mais il faut aller voir le dentiste. Il faut déjà traiter cette dent. Vous négligez, ça va évoluer vers un abcès dentaire. Et un abcès dentaire, un flégement, etc., ça risque de provoquer des pathologies quand même lourdes et des maladies cardiovasculaires et des arthroses, etc., et même des AVC. Tout à fait. Voilà. Donc ça a un impact sur d'autres organes, sur d'autres parties du corps, dont notamment le cœur. Donc le c'est pour cœur, ça qu'il est recommandé surtout de chez prendre l'enfant. Soin de ses dents. Voilà. Chez l'enfant, moins de 15 ans, vous savez, quand l'enfant il est encore très fragile, donc dès qu'il fait un abcès, donc là, son corps n'est pas protégé, on le met sous antibiotiques. Et là, il faut vous inquiéter, sinon votre fils risque de faire un RA ou un rhumatisme articulaire aigu, etc. Parce que les angines, c'est en rapport aussi avec les dents. Très bien. Il y a une liaison, c'est des bactéries, tout ça. Donc c'est très important de prendre soin de ses dents et de se brosser les dents 2 fois par jour minimum. Ça, c'est les dernières recommandations. Très bien. Donc, à quel âge on peut commencer à se brosser les dents, justement? Vous savez, l'idéal, c'est à partir de 3 ans. Mm-hmm. Donc, vous savez qu'un enfant singe son papa ou sa maman. Ah oui, donc, oui, c'est du mimétisme. Voilà. On a envie de faire tout ce que exact. Papa fait. Donc, moi, je pense qu'à 3 ans, on peut commencer à initier un enfant. Vous savez, c'est à partir de cet âge-là que l'enfant va s'adapter. Hein. Donc, c'est très important. Ah ben, on voit une très belle image de ce bonbon, de ce petit bébé adorable. Voilà. Vous voyez, donc, à cet âge-là, il y a moins de 3 ans. Qui est heureux de se soigner. À un âge plus avancé, ils vont être moins heureux. C'est clair. Après, il faut les pousser. Ah, maintenant, il faut être derrière. D'accord. Il faut derrière ces enfants pour pouvoir... Vous savez, il faut les motiver. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident, voilà. Oui, ouais. J'imagine que ce n'est pas évident. C'est pas évident, mais au moins 2 fois par jour, c'est important. Très bien. Surtout le brossage avant de dormir. Voilà. Oui, quand ils poussent un petit peu, ces enfants, ils vont à l'école et l'école aussi contribue à cet effort. Non, heureusement qu'il y a l'hygiène scolaire. Sanitaire, oui. Donc, ça, c'est très bien. Donc, il y a des consultations, je pense, souvent dans les écoles primaires. Donc, ils prennent ça en charge. Mmh. Et ça, c'est une très bonne chose. D'accord. Et à quelle fréquence devrait-on aller chez le dentiste? L'idéal, faut-il attendre vraiment les alertes? Non. C'est caries, c'est même abcès, si vous n'avez pas de caries, moi je recommande d'aller voir 2 fois par an le dentiste, même si vous n'avez rien. D'accord. Tant mieux pour vous, mais ne serait-ce de faire un simple détartrage. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Si vous n'avez pas de caries, tant mieux. Maintenant, si on peut déceler une carie, c'est-à-dire que le patient n'a pas de douleur, non, mais là, on fait un diagnostic. Si on décèle une petite carie, vaut mieux soigner une petite carie qu'attendre un abcès ou une nuit blanche. Certaines personnes ont peur du détartrage, peur du déchaussement. Le détartrage, moi je pense qu'il faut le faire. Mm-hmm. C'est très important parce que si vous laissez le tartre,
Ensuite, vous allez avoir des problèmes de gencives, des gingivites, parodontites, et ça va jusqu'à la mobilité dentaire. Donc voilà, le détartrage, une fois par an, est indiqué. C'est un paravent pour protéger quelque part le parodonte, pour éviter les saignements de gencives, et la gencive. Et la perte de la dent, ou des dents. Effectivement. Voilà. Donc voilà, quand on a fini par avoir cette habitude ou cette routine d'aller chez le dentiste, on est protégé. Mais qu'en est-il de tous ces hommes et toutes ces femmes qui négligent justement ? Actuellement, est-ce que dans les cabinets dentaires, on observe quand même le phénomène de négligence ? Que dire à ces personnes qui sont négligentes avec leur dentition ? Moi, je pense que, c'est vrai que ça reste, il y a le seul problème, ça reste cher. Mais quand même, il y a des dentistes dans le public. Donc, il faut aller voir le dentiste. Parce que c'est le dentiste, parce que c'est. C'est cher, parce que les produits sont chers. Hein, mm-hmm. Donc, tout devient cher. Vous savez, quand on enlève une dent ou on soigne une dent, on ne viendra pas. Ce n'est pas souvent. Mm-hmm. Je compare par rapport à quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes. Vous faites le budget d'un paquet de cigarettes par jour. Sur un an, ça vous fait beaucoup plus qu'un soin dentaire. Moi, je trouve que ce n'est pas très excessif. Hein. Mm-hmm. Donc, maintenant, si on ne va pas voir le dentiste, on attend jusqu'à qu'on ait une bouche pleine de dents abîmées. Relativement, ça va être cher. Mm-hmm. Et ensuite, il y a le côté prothétique. Donc, l'idéal, c'est de faire progressivement. Progressivement. Ne pas attendre. Sinon, après, vous allez avoir une facture assez salée. Mm-hmm. Si vous perdez vos dents, il faut faire une prothèse fixe, prothèse amovible, prothèse. Et là, ça reste onéreux pour le public. Vous avez cité les prothèses, et c'est vrai que beaucoup de personnes doivent corriger certains défauts dans leurs dents, porter des prothèses ici et là. Et qu'en est-il de l'hygiène buccale relative à ces personnes, à ces sujets qui portent des prothèses? Vous savez, d'abord, avant de poser une prothèse, il faut réhabiliter une bouche. Mmh. C'est très important. Il faut qu'elle soit saine, d'abord. On ne peut pas faire une prothèse si on a une bouche malade, une gencive malade, etc. Soigner d'abord les dents, remettre la gencive en état, préconiser une prothèse par la suite et l'hygiène bucco-dentaire. Surtout quand on porte une prothèse, là, il faut tenir compte d'un bon brossage rigoureux. Le même problème pour les enfants qui portent des appareils d'ODF, ce qu'on appelle l'orthodontie dentofaciale. Ça, c'est pour corriger l'alignement des dents. Là, le brossage doit être encore plus rigoureux parce que le port de ces appareils, donc il y a les aliments qui restent incrustés dans ces bagues. Et là, heureusement qu'il y a des brossettes pour ODF. Et là, je préconise que l'enfant ou le jeune adulte doit faire un brossage très rigoureux. Très rigoureux veut dire, on va parler de ce protocole de brossage, comment il devrait se dérouler, quelles sont les meilleures manières, c'est-à-dire doit-on se brosser manuellement, par le biais d'une brosse électrique, qu'est-ce que vous recommandez le mieux? Moi, personnellement, je préfère le brossage manuel. Très bien. Brossage manuel, donc il y a un geste à faire. Donc, les techniques de brossage, elles sont simples. Mm-hmm. Du bloc incisivo canin, toujours de la gencive vers les dents, c'est-à-dire du rouge vers le blanc, la gencive rouge. On me dit souvent quel type de dentifrice. Moi, je préfère prendre des dentifrices simples où il n'y a pas de colorant. D'accord. Vous allez utiliser un dentifrice où il y a des colorants. Vous savez qu'il faut brosser les dents et les gencives. Et après, en utilisant ce colorant rouge, vous allez avoir une gencive plus rouge et vous allez avoir l'impression que la dent elle est plus blanche. Mm-hmm. Or, c'est faux. C'est un contraste de couleur. De préférence, une couleur neutre, blanche. Voilà, une brosse à dents qu'il ne faut pas bien sûr garder une année. Je préconise que la brosse à dents devrait être renouvelée tous les 3 mois. Vous achetez un pack de 4 brosses à dents, vous avez pour une année. Et la brosse reste individuelle, bien sûr. Voilà, en cas de déplacement, ne pas oublier sa brosse à dents La brosse à dents électrique, il y a une mauvaise manipulation. Certains utilisent mal la brosse à dents électrique parce que électrique, ça veut dire qu'il ne faut pas bouger. Là, si vous utilisez la brosse à dents, plus vous faites ce mouvement, là, vous allez esquinter les mailles. Très bien. Voilà. Moi, je préfère le geste manuel, reste de rigueur et donne de très bons résultats. D'accord. Et nous avons de très bonnes brosses à dents à des prix très raisonnables. Aussi bien le dentifrice algérien qui donne de très bons résultats. Tassaïdal. Voilà. Les mailles, c'est ce qui couvre cette dent et qui nous permet d'avoir ce joli sourire, cette brillance, etc. Brossage rigoureux. Ça fait partie de la beauté de l'être humain. Voilà, l'esthétique. Ça fait partie de l'esthétique de l'être humain. Et donc, sur un plan esthétique, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'hygiène bucco-dentaire? Bon, côté esthétique, certains veulent avoir des dents blanches, donc on peut faire l'éclaircissement des dents, on utilise ça.
Bon, mais je ne suis pas tellement chaud pour ce produit-là. Mm-hmm. Vous savez qu'on utilise le Botox, malheureusement, pardon, je raconte, on utilise le peroxyde d'oxyde. Mais pour, malheureusement, pour le blanchiment. Le blanchiment, mm-hmm. voilà. Et malheureusement, nous avons des professions, par exemple des salons de coiffure, qui utilisent ce produit-là. Il est regrettable de voir ça sur le marché en Algérie. D'accord. Donc, donc je préfère les classements restent pour les chirurgiens dentistes confirmés. Oui. Voilà. Et, il faut pas vraiment improviser. Il faut vraiment avoir affaire à des professionnels dans la matière, de la santé. Des dentistes en l'occurrence pour les conseils. Ouais, parce que là, je vois actuellement pas mal de salons de coiffure qui manipulent ça sans aucune connaissance de la cavité buccale. Maintenant, on va encore plus loin, c'est le Botox. Où on va aller maintenant? C'est grave. Ouais. Tout à fait. Donc, vous recommandez quand même une vigilance par rapport à ces pratiques. Et donc, mais certaines personnes aussi ont recours des corrections au niveau de la mâchoire, etc. Donc là aussi, est-ce qu'il faut vraiment bien choisir le chirurgien ou est-ce que tout le monde peut pratiquer ce type de chirurgie, de correction, quand même... l'orthodontie bien sûr. L'orthodontie, il y a des gens qui sont très compétents en orthodontie, ça reste aux spécialistes. Mm-hmm. C'est quand même une spécialité. Moi je pense que ça ne veut pas dire qu'un généraliste confirmé ne peut pas faire l'orthodontie, s'il a les compétences, pourquoi pas, mm-hmm. mais il y a des spécialistes chevronnés qui sont capables de donner de très bons résultats. D'accord, il faut. Vous savez que pour l'orthodontie, ça dépend. Si c'est une anomalie osseuse, je parle de la prognathie, il faut régler ça avant l'âge de 11 ans. D'accord. Maintenant, si c'est une anomalie de malposition dentaire, mm-hmm. on peut corriger à tout âge. Très bien, on peut corriger l'alignement. 12 ans, 14 ans, 16 ans, 20 ans, même 30 ans. S'il a un os qui est solide. Voilà. Parce que là, on va jouer sur la mobilité des dents pour redresser, avoir un sourire radieux. Voilà, un bel alignement qui donne ce sourire de star. De star. Pourquoi pas. On mérite tous d'être une star quelque part. Avec une belle bouche, un joli sourire. Ce qu'on appelle une dentition parfaite. Un bon alignement parfait. Très bien, on peut y travailler quand elle n'est pas parfaite. Peut toujours corriger, il n'y a pas de problème. Absolument, absolument. Actuellement, nous avons des compétences en Algérie, alhamdoulilah. Nous avons de très bons éléments en orthodontie, comme en soins dentaires, en prothèses. On est vraiment en Algérie, alhamdoulilah. Merci beaucoup, docteur Mohamed Ali Bouderbel, pour Merci cet éclairage ce matin. Donc, vous avez parlé d'hygiène bucco-dentaire. Je peux faire une dédicace rapidement, s'il vous plaît. Je voudrais faire une dédicace à mon ami qui est secrétaire général au Conseil de l'Ordre, c'est docteur Ali, qui est vraiment efficient et pragmatique, non seulement au Conseil de l'Ordre, mais il est spécialiste en ODF, il est brillant. À mon frère jumeau, qui est chirurgien dentiste aussi. Ah, bah, c'est génial. Voilà, qui est à Babassan, on est installé à Babassan. Et nos trois secrétaires du Conseil de l'Ordre, Sabrina, Lilia et Luisa, qui travaillent d'arrache-pied. En tout cas, ils ont de la chance d'avoir un président aussi avenant et aussi gentil que vous. Donc, je rappelle justement que vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des chirurgiens, des dentistes d'Alger. Donc, on a été ravis de vous avoir ce matin parmi nous. Merci. Merci, merci à vous, merci à tous. Voilà, merci à aux auditeurs, aux confrères et aux tous les dentistes d'Alger. Merci. D'Alger, d'Algérie, voilà. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui sont avec nous et à qui on propose tout de suite une virée du côté de Delis, la Casbah de Delis. Vous est présenté ce matin par Saïd Amaïouf. La ville de Delis, ville méditerranéenne typique, est à jamais fière d'abriter en son sein la Casbah antique. En y pénétrant, force est de constater que les aléas du temps n'ont pas altéré sa beauté légendaire. Bien au contraire, son charme opère toujours en dépit de la dégradation qu'elle subit au fil du temps. Une dégradation pour laquelle d'ailleurs un plan de sauvegarde d'urgence est mis en place afin de lui permettre de retrouver son lustre d'antan. Là, vous êtes au centre historique, érigé en secteur sauvegardé en 2007. Et faisant suite après le séisme de 2003 qui a ébranlé toute la région. Donc il fallait sauvegarder ce patrimoine. Donc il a été classé en 2003 par la commission des biens culturels de la wilaya de Boumerdès. Donc il fallait élaborer un plan permanent de sauvegarde, ce qui nous a permis de sauvegarder quelques bâtisses. Donc, il menaçait ruine. Pour la Casbah de Delis, on attend toujours
que le ministère de la Culture débloque aussi une autre, d'autres solutions, disons, hein, d'autres solutions. Construite en 1103 et classée en 2007 en tant que patrimoine culturel national, le bâti traditionnel de la Casbah de Delis renferme un style architectural berbère, andalou et ottoman, en somme autochtone, propre à la région, témoin probant de la diversité des cultures qui s'y sont succédées à travers les siècles. Toutes les maisons, elles ont le type méditerranéen, c'est-à-dire... Et nous avons aussi l'avantage que c'est des maisons qui s'organisent autour d'un patio. Et plusieurs maisonnettes à l'intérieur regroupent plusieurs familles dans la même maison. Ici, nous avons une région aquifère, il y a beaucoup d'eau. Et chaque maison, elle possède un puits à l'intérieur. D'où il y a beaucoup, les gens, vous voyez, ils aiment les plantes, les fleurs et tout ça. C'est une tradition qui se perpétue depuis des générations. En empruntant ces ruelles étroites en dessous d'une végétation luxuriante, nous découvrons le mausolée Sidi El-Harfi dont la restauration a été récemment achevée. Il renferme aujourd'hui des objets précieux du patrimoine culturel matériel. Un voyage à travers le temps est ainsi offert aux visiteurs. C'est l'histoire, c'est la culture, c'est la tradition. Même en étant la quittée actuellement, mais elle est toujours présente dans nos cœurs. Dans chaque recoin de cette charmante casbah surplombant la mer à plus de 27 mètres, ce sont des empreintes indélébiles, fruits de différentes périodes historiques qui auront marqué à jamais la ville de Delis, à Boumerdès. La casbah de Delis, un joyau architectural ancestral, témoin vivant de glorieuses civilisations s'étant succédées sur cet endroit au fil des siècles. Aujourd'hui, ce sont des moyens colossaux consentis afin de préserver ce riche patrimoine pour que la mémoire demeure et ne meure. Et oui, pour que la mémoire demeure, il faut bien sûr instruire les jeunes générations, leur inculquer l'amour de la culture, l'amour du beau. En tout cas, certains parents le font très bien, notamment les parents de Zahra. Zahra Rizqallah qui est avec nous ce matin. Bonjour Zahra. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Voilà. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Et tout l'honneur est pour nous aussi. On est ravis de te recevoir. Merci ce matin, beaucoup. Zahra. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Zahra, tu es musicienne. D'abord, tu as 8 ans. Je peux me présenter, s'il vous plaît? Allez-y. Vas-y, plutôt. Bonjour, je m'appelle Skala Zahra. Je vais bientôt faire 8 ans. Je fais de la musique andalouse et chabi. Je joue du piano classique. J'étudie le solfège. Je suis animatrice à la radio JLFM. Eh ben, formidable. Voilà qui vient résumer, hein, Cyril. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Écoutez, j'aime bien la classe qu'elle a, cette petite. Elle a énormément de classe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est charismatique. Merci. Et, j'ai, elle a réussi à vous arracher vos premiers sourires du matin. Oui, je vous promets que c'est les premiers. Ça fait plaisir de voir des filles qui s'intéressent à l'art dès ce jeune âge. Et je lui laisse continuer avec elle, hein, franchement. Bien sûr, on va lui accorder un petit peu. Je vais me régaler, plus, n'est-ce pas? On va se régaler, d'autant plus qu'elle va nous jouer un morceau dans un instant, hein, Sarah. Ah super. Oui, et aussi je fais du théâtre. Oh, formidable. J'ai oublié le théâtre. Alors, le rôle qui t'a le plus plu au théâtre, c'était lequel? T'as joué quoi? J'ai joué déjà en film. Je vais faire un tournage d'un court-métrage. Oui. Et j'ai deux court-métrages, je vais les jouer, Inch'Allah, on est en plein tournage. Tu connais le nom du réalisateur? Ah, non. Non? D'accord, maman nous le dira tout à l'heure, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que ça te motive. Et tu as le temps de faire tout ça, tout en allant à l'école? J'ai tout le temps, alhamdoulilah, le Dieu il m'a donné tout le temps pour... Et ça, c'est toute la semaine. Et aussi, je suis sportive quand même. D'accord. Je fais de la natation. Alors, d'abord, le samedi, c'est un peu trop chargé. Pourquoi c'est, le samedi? Voilà. Parce que c'est la veille de l'école et en même temps, non, tu travailles? Non. Ah oui, voilà. Ce matin, je me lève très, très tôt pour étudier un peu, pour au moins faire des petites révisions à la maison,
pour Inch'Allah. Demain, je vais être en forme. Je vais être en forme. Tout dans ma tête, tout est dans ma tête, les révisions, les maths, les sciences. Voilà. Ensuite. Mais là, c'est bien. Là, ça y est, t'es en vacances. Ah oui, si, en vacances, c'est bon, alhamdoulilah. J'ai pris mes vacances, alhamdoulilah. Ensuite, je pars à l'école. À l'école, je fais chez le maestro amiculaire. Ah, très bien. Et puis, je fais du piano classique. Oui. Ensuite, on part. Et la violoniste aussi, et la sœur de Madame Cuider aussi. Ah oui. Elle est bien, elle est Madame sympathique. C'est Madame Hayat Cuider. Oui. Je la salue quand même. Oui. Ensuite, je pars à l'association. Association andalouse, je fais de l'andalou. Et ensuite, je pars à la maison, je mange et je dors. Ah bah c'est génial, voilà qui est. Pendant une journée beaucoup chargée. Bien rempli, hein, oula, oh oui, oh que oui. Et tu as des amis avec qui tu joues, avec qui tu partages plein de choses. Oui, bien sûr, j'ai ma sœur, c'est mon amie. Oh. C'est mon amie. Elle s'appelle comment ta sœur? Elle s'appelle Mayem. On va lui faire un coucou. Salut. Tu veux lui dire un coucou? Voilà la caméra qui est en face de toi, tu lui fais un petit bisou. C'est ma sœur. D'accord. C'est ma petite sœur. Elle est plus grande ou tu es plus grande? Je suis l'aînée. Tu es l'aînée. Ma sœur, elle est la plus petite. Oh, bah, génial. C'est bien, hein. Tes parents, ils t'ont fait un joli cadeau en t'offrant une sœur. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Qui est devenue ton amie. En tout cas, voilà, donc, on aimerait t'écouter, hein. Voilà, on t'écoute. J'ai envie de lui poser une question, je peux oui, bien sûr. Posez-moi. Super. Et sur la radio, vous faites quoi exactement? Enfin, tu. Non, dis-moi. Vous pouvez me vouvoyer ou bien me tutoyer. Non, je préfère te tutoyer. Allez. Allez, on préfère. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais à la radio? Déjà, on a fait une émission, on a animé déjà, avec Tata Alim Lassari, Tata Adil Mhamsadi, qui sont déjà mes collègues sur DILAFM. On a travaillé au Ramadan, on a travaillé. J'avais ma rubrique à moi, qu'elle s'appelait Bint Walid. Bintoualet. Vous vous souvenez? Bintoualet, chez Hayawan Fakeha. Oui. On jouait, c'était ma rubrique à moi. Et avant cette rubrique-là, ils avaient la rubrique on appelle, tu as 90 secondes, tu appelles. Et tu as quitté le fait. D'accord, c'est génial. Okay. Ah bah c'est bien. Et c'est toi qui poses les questions pendant les 90 minutes ou tu participes? Non, pas 90 minutes. 90 secondes, elle écoute, c'est rapide. Elle lance et elle écoute, c'est bien. Voilà, c'est eux qui lancent et moi j'écoute. Des fois je dis strip, c'est chaque bouche d'un texte, et voilà. Et ensuite, Bintoual, c'est ma rubrique à moi, je donne à ma harf. Et je donne une lettre en arabe. C'est pas... Jamila. Ah, très bien, c'est bravo. Du tac au tac. Heureusement que tu ne m'as pas posé la question. Non, moi. Je ne poserai pas à toi. J'aurais bugué d'abord avant de trouver. Ah non, moi je bug pas. Ah, bah, c'est génial, c'est super. En tout cas, en régie, tout le monde regarde ton instrument et voudrait t'écouter jouer. C'est vrai. Alors, avant tu peux. Voilà. Je vais présenter mon instrument. Je vais le présenter. Nous, on va te voir en image à la radio. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On à va la voir radio, les images. Et toi, à la télé, voilà. On dit spectacle. Entre temps, tu prends ton instrument, tu le prépares, d'accord? Oui, allez, d'accord. C'est parti. الزين.
Bravo, bravo. Elle a déjà un fan. Il y a le caméraman qui est un maître Chabi, je peux vous le dire, messieurs, dames, qui applaudit derrière. Voilà, notre caméraman a chanté, les autres ont applaudi. C'est dire un petit peu cette boule petite d'énergie comme ça qui compte. Voilà, j'ai une boule d'énergie. excellent, Laïberek. En tout cas, on est ravis de t'avoir ce matin. Et c'est vrai qu'on a vu ton talent de chant, on va voir ton talent de musicienne maintenant. Ah oui, c'est vrai. Allez, on va découvrir ton jeu. Je vais vous commencer avec... Comment s'appelle ton instrument d'abord? Allez, je t'ai présenté, maintenant tu présentes ton instrument. C'est Madame la mandoline. Madame la mandoline, enchantée. C'est la mandoline. Oui. C'est la mandoline qui est un instrument très très facile. Mais quand même, je vais vous dire quelque chose. La mandoline, c'est la basse quand même. Ah oui, ah, c'est vrai, c'est la pour l'andalou, effectivement. Ah, surtout pour l'andalou. Tu commences avec la musique, tu sautes avec les instruments que tu veux. Le piano, le violon, le mandol, le oud, comme tu veux. Mais d'abord, tu dois commencer avec la mandoline. Très bien, la mandoline qui va parler tout de suite d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, elle va parler. Comme ça, oui. C'est tout, ça bouge. Ça bouge, voilà, grâce à tes doigts. Parce qu'elle parle, fée. Voilà, elle parle. Mm-hmm. Tout à fait. Alors, fais-nous parler cette mandoline, s'il te plaît, Zahra. Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Bravo! Ah, tu veux continuer? J'ai pas fini. I'm gonna go to the hospital.
C'était quoi ton sentiment après une telle ovation? Le public t'a beaucoup applaudi. C'était le jour de la Casbah. Oui, c'était le jour de la Casbah avec Cheikhna Abdelkader Chaou. Et ceux qui m'ont donné la chance, c'est Tata Nabila Wali et Tonton Marwan Diani. C'est eux qui m'ont donné la chance pour monter avec lui. Et c'était au TNA. Oui, il était ému et content hein, de t'avoir à côté de lui. Ah oui, je suis monté, tout le public s'est levé, a applaudi. Et l'arrivée, c'était très très génial. C'était la meilleure journée que j'ai jamais vue. C'était la meilleure journée que j'ai jamais vue. Je ne sais pas si Siam, ici présente, qui est montée sur scène beaucoup de fois parce qu'elle est conteuse, je ne sais pas si elle, elle a connu un tel plaisir étant gamine. Ton premier public, c'était à quel âge? Bon, c'était pas sur une scène de théâtre, c'était à l'enseignement, je pense. C'était une salle de classe avec des élèves en face. Parce que quand on fait l'enseignement, en fait, le public, c'est tes élèves. Oui. Donc, tu peux faire un spectacle, tu peux compter, tu peux chanter, tu peux expliquer des choses, tu peux donner une énergie avec 30 personnes face de toi. Ce sont des adolescents assoiffés de savoir. Et là, tu peux donner ce que tu veux. Donc, mon premier public n'était pas sur scène. Mon premier public, c'était pas un public artistique ou un public connaisseur du conte ou du chant, ou non, c'était des élèves, voilà, des adolescents. Et je pense que c'est l'expérience la plus difficile, oui, d'intéresser des adolescents. Absolument. D'intéresser 35 voire 40 adolescents en même temps. Je pense que c'est à partir de là que je me suis découverte une petite notion de conteuse. Tiens, professionnelle. Est-ce que tu savais que Siham était conteuse? Ah oui, ma mère, elle m'a dit que c'est conteuse. En tout cas, je suis jalouse. Maman a offert un très beau you-you pendant que tu chantais en radio et nous, on n'a pas eu droit au you-you de maman. Je suis un petit peu jalouse. En tout cas, tout à l'heure, on aura droit à you-you, il n'y a pas de souci. You-you, peut-être. Siham, aujourd'hui, vous allez nous parler de conte. Donc, moi, j'ai envie de poser la question, justement, à notre cher ami invité. Dis-moi, Sahra, est-ce que ta maman... Ton papa ou tes grands-parents peut-être te racontent des histoires. Ah oui, oui, c'est vrai. Et c'est quoi ton histoire préférée? C'est l'histoire des Schtroumpfs. Le conte des Schtroumpfs, ça fait beaucoup rire. D'accord. On te lit dans un livre ou on te raconte comme ça? On me raconte des fois sur un livre et des fois ils me disent sur un livre. Non, un livre avant de dormir. D'accord. Et si on devait classer papa, maman, grand-mère, etc., qui serait la première place? Qui c'est qui raconte le mieux? Qui c'est qui raconte le mieux? Qui c'est qui raconte le mieux? J'adore les histoires effrayantes, c'est ma mère d'abord. D'accord. Le premier, c'est ma mère. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte des livres, Elle me raconte des fois des histoires de sorcières. J'adore les histoires effrayantes, ça me fait terrifier un peu, mais oui, ça va. Oui, c'est vrai que dans le conte algérien, nous avons beaucoup de contes qui font peur. Oui. Mais cette peur est éducative, en fait. Alors, nous avons le conte, si j'ai envie de parler aujourd'hui du genre et des types du conte algérien, nous avons plusieurs sortes de contes. Nous avons le conte fantastique, nous avons le conte merveilleux et nous avons le récit, bien sûr. Il y a beaucoup de récits de voyage, mais c'est pour les tout-petits, donc pour Zahra, pour, on va dire, de 5 à 10 ans, c'est le merveilleux qui l'emporte, comme elle vient de le dire. C'est les histoires merveilleuses qui parlent de certains personnages mystérieux, un petit peu des personnages qui n'existent pas forcément. Ça peut être un animal qui fait peur, ça peut être le roula. Chez nous, c'est par excellence. Et le roula ou le roula? Le roula ou le roula qu'on appelle un petit peu différemment dans plusieurs endroits. Donc nous avons Zoro, nous avons le bouloulou. Le bouloulou. Voilà. Oui, bouloulou. Nous avons le roula, nous avons Zoro. Chaque appellation a une certaine origine et nous avons notre marchand de sable, hein, nous avons notre marchand de sable aussi. Chacun appelle dans sa région, lui donne un nom. Alors pourquoi on utilise ces personnages qui normalement font peur aux enfants? Mais pour dire que le mal existe sur Terre. Le mal, c'est pas tout le monde qui est gentil, c'est pas tout le monde qui est la vie n'est pas rose. Donc il y a aussi ce côté sombre de la vie, le côté des ténèbres que nous, on
représente par le roulard, par... Mais oui, attention, nuance. Il y a donc certains contes algériens, hein, surtout, quand on dit roulard, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est méchante, mm-hmm, ou qu'elle est mauvaise. Sure. Parce que si je prends par exemple le conte de Mqaydesh et de roulard, on va trouver que Mqaydesh faisait des bêtises. Ah oui, et il... Ah oui, oui. Bah, c'est lui qui taquinait Roula. Il l'a nargué. C'est lui qui l'a nargué, c'est lui qui l'a taquiné, et c'est lui qui lui jouait de mauvais tours. Absolument. Elle, elle absorbait. Et puis, pour ceux qui connaissent le conte, quand le bon moment est arrivé, quand elle pouvait se venger, ben, elle ne l'a pas fait. Et ça, c'est un conte éducatif. Pourquoi ? Par excellence. Parce que le Roula était là. Elle tenait le Mqaydesh entre ses mains, elle pouvait l'avaler d'un seul coup, et malheureusement, elle a dit, enfin je sais pas, malheureusement pour elle ou malencontreusement pour elle, mais heureusement pour lui, cette roue-là était bien sûr indulgente. Elle a laissé passer certaines choses. Elle a pris sa mèche et elle disait Gatesh, Maro, Gatesh, Nakulek, Kaziz, Aliya, Khalik, Tetmasrabiya. Donc elle savait qu'il lui faisait de mauvais tours. Elle pouvait l'avaler, mais elle l'a laissé. Donc ça, c'est elle a afouine del Maqtira. Quand on peut pardonner, on pardonne. Et c'est une valeur. C'est une valeur, c'est une très grande valeur. Qu'on doit transmettre à nos enfants, le pardon. Oui, il y a toujours une morale derrière ces contes qu'on a hérité. Nous avons aussi nos propres fables, donc les histoires sur les... des histoires d'animaux, mais qui, bien sûr, ont une autre approche ou une philosophie derrière. Nous avons nos contes soufis aussi, c'est très maghrébin, ça vient de chez nous. Nous avons des animaux qui représentent toujours une valeur ou quelque chose de précis. Par exemple, si vous prenez les contes algériens où il y a des hérissons, l'hérisson c'est toujours Nia. D'accord. La naïveté. Voilà. L'hérisson, c'est toujours... Enfin, je ne sais pas si on peut expliquer. Je ne sais pas si le mot naïveté peut traduire et être... Est-ce que c'est précis pour dire Nia? Mm-hmm. Parce que dans Nia, on peut... C'est intraduisible. C'est intraduisible. On ne peut pas dire Nia qu'il est naïf. Non. C'est pas seulement naïveté. Nia, c'est être gentil, avoir de bonnes intentions. Et naïf, ça fait que je roule ça, moi. Naïf, ça fait ça. Ça fait que je roule ça. Je roule sur le tlablo. Voilà. Ouais, alors qu'on peut être nié en matlabnage. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Voilà. Donc, les contes, il y en a. Je ne sais pas, t'as fait gratuitement? Non. T'as fait gratuitement? Ben, je crois qu'il faut chercher à savoir, à lire ce que c'est que gratuitement. Si, il y a des petits livres qui se vendent, qui sont en arabe. Ben, je te conseille de lire en arabe parce que tu chantes fortement bien. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, il faut comprendre ce que tu dis. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est très important de comprendre les paroles que tu es en train de dire. Parce que Daounek Bzef, tu chantes en arabe dialectal, il faut bien comprendre mais ce que même, tu chantes. Mais quand même, je m'intéresse beaucoup à vous. Hein, vous. Ah bon, c'est génial. Vous avez l'histoire, j'aime beaucoup les histoires. C'est génial, ouais. Il faudra suivre son émission. Donc, on va donner la fréquence de l'émission. Elle passe mercredi à 16h30, rediff vendredi dès 15h30 et dimanche à 16h30 aussi. Mon émission a pour titre « Le conte est bon ». Voilà, si tu veux découvrir des contes et voir des enfants réagir avec si Tata Siam ici présent, voilà, tu diras à maman de te mettre sur cette, cette chaîne Canal Algérie. En tout cas, elle anime parfaitement en arabe aussi, donc super, oui. Sur les ondes de JLFM, ça se fait aussi en arabe, n'est-ce pas? Oui. Non, ça oui. Se fait en dialectal, sur en JLFM. En dialectal, voilà, Dadja. Ça se fait en dialectal, donc normal pour toi. À la radio, on peut parler Dadja. On peut parler français. Français, voilà. En plus, si tu veux, tu peux même parler anglais. Voilà. Quand ça vient en anglais, tu as la liberté. Très bien. Rappelle-nous quand est-ce que tu passes sur JLFM, c'est tout. On va te dire. C'est bon, je suis passée. Alors, je suis passée sur Ramadan, sur JLFM aussi. Très bien, très bien. Donc, voilà. Moi, tout le Ramadan. D'accord, et ben j'espère que l'expérience vendredi, se renouvellera l'été. Inch'Allah, on a fait une très très belle expérience, une magnifique expérience. Laïbag, c'est ce que je vais dire.
Eh ben, tu seras certainement animatrice et journaliste plus tard. Hein. Elle veut être docteur, elle me l'a dit dans les coulisses. L'un n'empêche pas l'autre d'être docteur et aussi animatrice. Mais aussi, Yanni Atiksaha, je vais remercier, la directrice de la radio Jil FM. Je la remercie beaucoup. Et aussi, je remercie Tonton Hamza Moussaoui. C'est eux qui m'ont donné la chance pour comme ça faire une très belle expérience. Et Lahibalk, c'était une très très belle expérience. Excellent. Donc, on a été ravis de te recevoir ce Merci matin, Zahra. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance. Et encore, je vous remercie pour l'invitation. C'était un plaisir. Tu es vraiment une boule d'énergie, mais aussi bout en train et aussi beaucoup de positivité en toi. Donc, on a été ravis de te recevoir. Merci infiniment à tous ceux qui sont avec nous également. Merci, Sihan. Vous en prie. Voilà. Et aussi, donc, à ceux qui sont avec nous, on vous avait promis qu'on allait parler de sport à la fin, mais avant, on va recevoir une jeune artiste qui expose actuellement à la galerie Hangard. C'est à l'ouest d'Alger. Et le détail, ce sera dans un petit instant après ceci. Sans transition aucune, nous allons tout de suite vous présenter nos derniers invités. Pour cette dernière ligne droite, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la première fois Yemina Nouy, ici présente. Donc, elle est plasticienne, elle est portraitiste aussi à l'occasion. Donc, on est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. Surtout quand il s'agit de personnes aussi talentueuses. Merci. Voilà, vous avez énormément de talent. On va montrer certainement quelques images dans un instant. On est ravis aussi de recevoir ici présent donc Mohamed Boudjaoui. Charfine, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Mohamed Boudjaoui, tout court, ça ne veut rien dire peut-être. Oui. Mais on va rajouter quand même une petite mention en disant que vous êtes le président d'un club très dynamique qui compte des adhérents des plus adorables. Voilà, Et c'est à l'est d'Alger, donc à Entaïa. On fait de l'activité nautique au niveau d'Entaïa. Le club est de Dalbeda. Mm-hmm. Et c'est le club des sports de glisse. Très bien. Sport de glisse, c'est ce dont on parlera dans un instant. Le temps pour nous de parler de cette très belle exposition que les cimaises de la galerie Hangar abritent actuellement. Donc, ce sont les œuvres de Yemina Nouy qui sont présentées au public pour la première fois en expo personnelle. Voilà, c'est ma première exposition personnelle à Alger. C'est ma première exposition à Alger. Donc, ça fait 2 ans que vous avez votre diplôme, donc diplôme en poche, mais vous aviez déjà exposé pendant votre cursus. Oui, j'ai fait plusieurs, depuis petite, j'ai fait plusieurs expositions à Béjaïa. Récemment, j'ai fait le Salon National Féminin à Tlemcen, et la semaine passée, c'était le Salon National à Tbessa. Tbessa, Béjaïa, Tlemcen, d'autres villes vous ont reçu. Ça va, vous avez fait une belle tournée en 2023-2022. Oui, ça va, alhamdoulilah. Voilà, le Covid est parti par là et vous êtes lancé. Nous a un peu ralenti quand même le Covid. Hélas. Mais bon, voilà, je disais tout à l'heure que vous êtes une excellente portraitiste, c'est-à-dire que parallèlement aux œuvres qui vous tiennent à cœur, etc., vous réalisez aussi beaucoup de portraits à la commande.
Oui, je fais des portraits à la commande. Je fais beaucoup plus le réalisme. Mmh. Je suis beaucoup plus réaliste, mais j'aime la perfection. C'est voilà. Simple. En fait, la plupart des jeunes artistes se lancent en qualité d'artiste peintre. Donc, ils se lancent avec des œuvres picturales, donc de la peinture, parfois, comment dire, de l'aquarelle. Ça dépend, oui. Hein, chacun a sa sensibilité. Moi, oui, mais moi, je fais un peu de tout, voilà. Mais je préfère le crayon. Je trouve que le noir et blanc, il a un peu plus de charme. Tout à fait. Un peu comme les photographes préféreraient éventuellement donc la photo d'art qui apporte énormément de contraste. Vous apportez du contraste à votre sujet par un simple coup de crayon. Oui. Voilà, on voit par exemple ce portrait qui est magnifique. Qui est, voilà, on voit tous les détails de cette femme sous la pluie et qui est adorable. Et donc, on voit le travail du tissu. C'est ce que, le drapé est difficile à réaliser au crayon. Oui. Ça prend énormément de temps. Oui, parce que là, il y a des lignes toutes fines et vous avez restitué de fort belle manière quand même la texture de cette veste. Et c'est dire un petit peu le talent qui est en vous. Vous auriez pu faire une autre carrière, dites-moi, Noé. Depuis petite, j'aimais le vous saviez ça. Que c'était vous alliez, ça, je voulais vous ça. Étiez prédestinée oui, exactement. Pour ça. Très bien. Votre premier portrait, c'était pour qui? C'était celui de ma maman. Mmh. Et même j'ai une toile aussi, c'est la photo de ma maman que j'ai fait à l'école des Beaux-Arts. Oui. Je l'ai ramené au studio, on a fait un petit studio, je lui ai fait plein de photos. C'était le plus beau, la plus belle toile que j'ai fait. Que vous avez réalisé. Donc oui. Il vous arrive aussi d'apposer de la culture. Voilà, c'est ça, c'est. Oui, c'est ça. C'est maman. C'est maman, oui. Donc. Je l'ai fait avec amour. Ah oui, mais ça se ressent. Hein. Et il y a cette sérénité, parce que c'est vrai qu'une maman, ça nous apporte de la sérénité, de l'amour, de la sensibilité. Et là, on le ressent, ça ressort de cette toile. C'est vrai que vous êtes beaucoup plus habile, vous me disiez, avec le crayon. Et vous initiez tout juste à la peinture. Mais voilà, dans cette exposition qui est abritée par la galerie Engarde, qu'est-ce que vous offrez essentiellement au public? J'ai ramené plein de tableaux. Il y a des toiles et des petits portraits. C'est pour montrer tout ce que je fais. Mm-hmm. J'ai touché un peu de tout, aquarelle, acrylique, peinture à l'huile. Mm-hmm. Je fais de tout. Mère et enfant, c'est pas mal. Ah oui. La maman et l'enfant, donc ça c'est très joli, deux jolis portraits. On le retrouve sur votre Instagram, justement les étapes de la réalisation de ce travail en particulier. On vous voit dessiner petit à petit. Oui, je partage quand je dessine, je partage, je fais plein de vidéos. C'est pour montrer aux gens, il y a des personnes qui ne connaissent pas la technique, je leur montre un petit peu les techniques, comment réaliser des tableaux. Comment ça évolue, comment est-ce que voilà, d'un simple coup de crayon ou un trait, on arrive à structurer donc, le dessin et lui donner une âme. Voilà. On sent que vous recherchez la profondeur de l'âme humaine quand vous dessinez. C'est vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Vous pouvez développer. Hein. Bon, je sais que vous êtes intimidée par la caméra, mais on va essayer quand même de se lancer. Hein. Voilà, donc depuis 2 ans, donc, vous avez quitté les bancs de l'école. Et est-ce que ça vous a libéré de commencer comme ça cette carrière, d'exposer, de rencontrer? Est-ce que les rencontres sont importantes, le regard de l'autre? Ah oui, bien sûr. En plus, beaucoup plus, quand j'ai participé à plusieurs expositions, c'est là que je me suis développée. J'ai vu plein d'autres artistes. Et chacun te donne un petit conseil, un petit détail. On ne connaît pas tout, bien sûr. Mm-hmm. C'est en participant à des expositions qu'on rajoute à notre... à nos connaissances, à notre expérience. Voilà. Voilà, l'échange, ça forge aussi le voyage. Et donc, c'est vrai que ça vous permet de penser peut-être que de vous dire « Ah, je devrais tenter ça, je devrais… Voilà. » Hein? On a plus, ça, vous encore vous lancez plus de nouveaux challenges. Oui, ça fait, on trouve des idées. Mmh. Après, à chaque fois quand je finis une exposition, je reviens à la maison en force. Je me dis, cette nuit, je dois commencer un tableau. Oui. C'est vrai que c'est une source d'inspiration, les rencontres avec les autres artistes, avec aussi les passionnés d'art. Alors, quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait?
en qualité de hein, ah oui. pas en qualité de femme, parce que vous êtes très belle. Merci beaucoup. Hein, vous vous acquiescez. Vous êtes très jolie. J'imagine que les compliments doivent fuser tous les jours. Merci Mais en qualité d'artiste, en herbe, quel est le plus beau compliment ou de qui vient-il? Il y a mon enseignant, c'était à l'école des Beaux-Arts. Mm-hmm. Il m'a dit, vous êtes la future Pablo Picasso. Oh, c'est là, formidable. Ça, c'était le meilleur. C'est génial. Il voulait vous dire que vous aviez de la maîtrise, que vous aviez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, en fait. Mm-hmm. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, comment s'est déroulé ce vernissage? C'était très bien passé. Pour le premier jour, c'était le samedi 10. Oui. Il y avait plein de gens qui sont venus. Il y avait ma famille qui m'ont fait une surprise de Béjaïe jusqu'ici. Oh, formidable. Ça fait énormément plaisir. Génial. Donc, c'est du 10 au... Au 20. Du 10 au 20. Donc, le téléspectateur qui nous suit aujourd'hui bien reçu l'information. Si vous avez envie de découvrir le talent de cette dame, l'encourager, acquérir une œuvre, parce qu'elles sont très belles, ses dessins sont d'une extrême beauté, d'une extrême sensibilité. Donc, n'hésitez pas à vous rendre à l'exposition. Donc, voici une des toiles qui sont exposées justement à Chiraga, donc dans la galerie qui se trouve à Garden City, donc ce centre commercial qui permet aussi de donner de la visibilité aux artistes. Voilà, on salue en tout cas la galeriste Amel Mouz qui nous a permis de vous découvrir. Oui. Elle donne l'opportunité à des jeunes artistes de se développer et de se donner la lumière. Voilà. En tout cas, vous êtes sous la lumière jusqu'au 20 au niveau de cette galerie, en garde en particulier. Donc, on a été ravis de vous recevoir. Restez Merci avec nous. On va vous donner envie d'aller à la plage maintenant. Hein. Avec notre ami ici présent, donc Mohamed Boudjaoui. Parlez-nous davantage de ce club et de ce qui se prépare comme discipline cet été. Alors, le club, c'est le club des sports de glisse, le CAG d'Albeda. Donc, il existe depuis 2010. Nous avons plusieurs activités, plusieurs sections sur des sports de montagne, les sports aquatiques, les sports de voile. Donc, on fait du ski, de l'escalade, de la randonnée en sport de montagne. On fait aussi pas mal d'activités nautiques telles que le surf, le bodyboard, le kitesurf, le windsurf. C'est des sports de voile aussi. Et j'imagine qu'ils sont nombreux, les jeunes, à être surpris de voir des personnes pratiquer ce type de sport. Ouais, on se dit, bon, bah, peut-être ça existe ailleurs, mais pas chez nous, pas à Alger. Non, mais c'est vrai qu'on a cette idée de dire que c'est des sports qui n'existent pas en Algérie et tout, mais non, c'est des sports qui existent. Il y a des communautés un peu partout. Sur tout le territoire national, les plages, les montagnes. Les montagnes, ça commence à se développer encore plus avec les réseaux sociaux, les activités de sortie et tout. On voit pas mal de personnes qui partent vers la montagne pour des randonnées, pour des week-ends. C'est bien, mais il faut aussi penser à la préservation de la nature. Oui, en tout cas, le regard de l'artiste ici présent a permis aussi aux différents publics de découvrir toute la beauté de la Kabylie, hein, patrimoine et aussi patrimoine naturel. Oui, bien sûr. Oui, vous avez beaucoup de tableaux et de toiles qui sont dédiées à la Kabylie. Oui, et c'était le thème de ma soutenance. Mm-hmm. J'ai fait pour découvrir la Kabylie de l'autre côté, les traditions, la nature, tout ce qui est la vraie Kabylie. Voilà, même quand vous exposez, vous mettez des pans comme ça, vous faites des petites installations qui permettent d'avoir ce parcours immersif. Donc on est immergé, on est complètement dedans, hein. On voyage avec vos expositions parce que vous donnez toute une atmosphère autour des tableaux. Oui, bonne. Voilà. Bon, voilà, elle a tout dit. Ce n'est pas évident de lui arracher comme ça quelques bribes de phrases. En tout cas, on va revenir à une personne un peu plus loquace, donc vous, mais en l'occurrence, monsieur Mohamed Boudjaoui. Bon, mais c'est juste pour rire. Hein. C'est juste pour rire, hein, parce qu'en fait, l'été approche et on a envie de dire à quel point il y a des possibilités de se divertir, de pratiquer du sport. De sortir, de passer une belle journée, de faire des activités nautiques, c'est des activités qu'il ne faut pas partir très loin pour les faire, on est à décaplage, donc nous avons des activités sur la plage,
sur le sable, nous avons des activités sur la mer, donc nous avons du kayak, des sorties paddle. On va faire aussi des activités, tout ce qui concerne le surf et le bodyboard, avec la mise en place d'écoles pour les enfants. Voilà, l'initiation. On apprend tout au long de l'année, alors on va apprendre aussi pendant l'été d'ailleurs, à se divertir. Et d'ailleurs, on va, voilà, peut-être que le public ne le sait pas, les spectateurs ne le sait pas, mais vous avez, voilà, vous avez une partie de la plage, il y aura, voilà, qui vous est réservée et dans laquelle... On va mettre en place une installation sur une plage avec tout l'équipement sportifs, loisirs, il y aura des beach volley, des beach tennis, des activités sur la plage, des animations. Ça a un petit peu disparu depuis quelques années. C'est bien de réhabiliter toutes ces activités qui étaient très très intéressantes donc sur la plage, sans déranger l'autre, bien sûr. C'est sûr, dans le respect de tout le monde. On réserve un espace pour le beach volley, on réserve un espace pour le tennis, même le beach tennis. Oui, bien sûr, il y aura même des espaces de jeux. Il y aura des espaces, on va mettre aussi une petite scène musicale. C'est formidable. Il y a pas mal de jeunes qui viennent, qui veulent jouer. C'est-à-dire, on espère que cet été, on va mettre pas mal d'actions. De belles animations et de belles activités. D'animations, que ce soit en journée et que ce soit aussi en soirée. Très bien. Donc, en novembre prochain, il y a un méga événement qui se produit. Oui, on prépare la méga rencontre des sports de glisse et sports de voile. C'est une rencontre, ça sera la 5e édition. Nous avons déjà réalisé 4 éditions. La 5e édition, ça va être le surf, le bodyboard, le kitesurf, le windsurf et le paddle. Très bien. Donc, 5 disciplines pendant 3-4 jours, jusqu'à 5 jours. Oui. Tout dépend des conditions météo. Donc, on va mettre en place des challenges, une compétition. Et vous en organisez tout au long de l'année. Oui, vous venez justement d'organiser. Dernièrement, mai dernier, le 2, le 3 et juste une semaine après, nous avons organisé un challenge bodyboard et surf avec la Ligue de sport pour tous. Et notre club, avec aussi l'apport de la commune de Hentaya, ça s'est très très bien passé. Alhamdoulilah, on avait aussi les bonnes conditions, il y avait des vagues. C'est nécessaire pour le surf. Oui, pour nous, c'est vraiment difficile de mettre en place une organisation vu que c'est Dame Nature qui choisit. Oui, c'est ça qui est difficile avec tout ce qui relève de la voile, voilà, ou de la pratique du surf. On met toute la chaîne d'organisation, la mise en place, on invite les personnes, les athlètes viennent, ils arrivent et après on attend. Est-ce qu'on aura du vent? Est-ce qu'on aura des... c'est vraiment le gros suspense, mais bon, il y a toujours du plaisir à se regrouper. Oui, mais après... Voilà, à des fois, on lâche l'équipement et on se baigne. Réellement, c'est ça. Des fois, ce qu'on fait, quand vraiment il n'y a aucune condition, allez, on se tourne sur la plage, un bon match de foot, de volley, de l'animation, de la musique. On s'éclate et on passe la journée, on passe notre week-end à l'aise. Voilà, c'est ce qui est important, c'est surtout de profiter de ces journées où l'on se regroupe, on va en groupe à la mer ou là en famille. Et c'est vrai que le plaisir, c'est surtout de partager ces moments de détente, de voir la mer et de pouvoir s'amuser ensemble. De passer une belle journée, de s'allonger, faire bronzette, se baigner. L'eau, elle est très, 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 très 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 belle. Nos plages sont très belles aussi. Mais enfin, à Béjaïa aussi, c'est beau. Ils ont pas mal de... on fait pas mal d'activités de sport de montagne à Béjaïa. On fait d'escalade, on fait pas mal de randonnées. Très très belle région. Moi, j'adore. Oui, la jeunesse à Tipaza, j'allais dire Tipaza, pourquoi j'ai dit Tipaza, à Béjaïa est très dynamique, effectivement, très impliquée dans le mouvement associatif, dans aussi les efforts de protection de l'environnement. Oui, la nature. Et aussi, il y a beaucoup de passionnés de sport. Oui. Bon, voilà, on vient de parler de sport de glisse grâce à la présence parmi nous du président du club. Des sports de glisse. Des sports de glisse, voilà. Le CAG. Voilà, donc qui...
qui donc prépare pour cet été tout un programme d'activités ludiques et sportives. Ça se passe au niveau de Décaplage à Intaya. Voilà, je vous fais de la pub là. Merci beaucoup. C'est le but, hein, on est là. Et on va faire de la pub aussi à Noui, Yamina ici présente, donc, qui nous a fait vraiment plaisir ce matin en venant dans notre studio pour parler de sa belle exposition absolument à découvrir. Donc un talent avéré, un coup de crayon incroyable de cet jeune artiste en herbe, donc, qui se trouve actuellement, donc, dont les œuvres se trouvent actuellement à la galerie Engarte. Donc c'est au centre culturel, le centre commercial Garden. Plutôt, donc City, Garden City plutôt, voilà. C'est au troisième étage. Très bien, au troisième étage. C'est quoi votre page Instagram? Noui Yamina. Noui Yamina, et tout vous découvrirez le tout. Elle vous révélera ses talents cachés parce qu'on n'a pas tout dit, figurez-vous. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci aussi à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. On a été ravis de vous servir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine avec mes collègues notamment qui seront demain à Constantine, après-demain à Oran. Et puis vous retrouverez Nour El Houda Bouzgaou dès le jeudi, ici même dans ce même studio pour le week-end. Donc moi je vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous, voilà, et profitez de ce beau temps qui s'annonce vraiment avec cette hausse de chaleur. Bonne journée à tous et à très bientôt.